tapioca, macaroni, frittura. Fait en niche ton lit un roman illustré. La laitière de Montfermeil. Ciel, Kekikako lit un numéro de La Patrie. Une compatriote. Oh, sur mon cœur, oh, dans mes bras. Monsieur. Quoi? N'êtes-vous pas la jeune mandarine fait en niche ton? Quoi? N'êtes-vous pas le chinois Kekikako? Oh, Galimatia des Galimatia. Elle n'est pas chinoise. Elle n'est pas chinoise. Mais, oh, monsieur, vous qui parlez français, parlez, parlez encore. Faites murmurer à mon oreille la douce langue de La Patrie. Et d'abord, qui êtes-vous? Le faux chinois que vous avez devant les yeux est une des plus déplorables victimes des vicissitudes humaines. Vous pouvez considérer les lamentables débris de ce que fut naguère, jadis, autrefois, l'élégant vicomte Alfred de Sérisy. Ah. Ce gentilhomme, c'est moi, madame. C'est moi-même. Mais comment avez-vous obtenu ces hautes fonctions que vous exercez? Ah, ça, je serais bien curieux de l'apprendre. Enfin, voici tout ce que je sais. Un jour, aux environs de cette grande ville, je fus saisi, lié, garrotté, porté dans ce palais, couvert de ses oripeaux, et condamné à ne répéter que trois phrases, certainement chinoises, dont le sens m'échappe complètement, et à entendre 20 fois par jour le chant de la révolte, le chant du Bataclan. C'est odieux, c'est ignoble. Mais vous, qui êtes-vous? Qui je suis? Une Parisienne de race, monsieur.